Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de Truck Dealer Simulator 2. Et donc du coup, aujourd'hui, messieurs dames. Donc j'ai bien avancé. J'ai 4 dealers ici, c'est même trop plein. Pour certains, j'ai 6 sur 6. Donc on est sur la dernière île. Si je peux vous montrer. Voilà. Donc j'ai accosté avec mon bateau et la planque est juste à côté. Chez Pedro, j'ai livré ce qu'il fallait en... en drogue, je sais plus où il était, il est là. En drogue, de ce que j'avais évidemment. J'ai changé de planque, j'ai vendu celle que j'avais, j'ai racheté une au bord de la plage, c'est moins violent. Et du coup, qu'est-ce que j'ai foutu d'autre? Oui, je fais un peu de vente, un peu de choses et autres. Je me suis fait roucher le cucu aussi. Mais là, maintenant que j'ai fait tout ça hors ligne, j'ai besoin d'avancer. Donc j'ai des livraisons pour 20h, mais ça tombe bien, on est sur la même île. Donc on va... on va gérer. Donc on avait une mission. Une mission où il fallait aller voler. Il fallait aller voler les pièces détachées pour l'homme à tout faire. Est-ce qu'il va falloir se faire ça de nuit? Je ne sais point. De nuit ou de jour. Donc si c'est de nuit, bon, je vais faire une livraison et j'y retourne après. Si c'est de jour, ben, ma foi, j'y fous tout de suite. Mais... alors, est-ce que je me dirige? Ah oui, c'est de l'autre côté de l'île. Oh putain, puis ils sont là encore, les andouilles, là. Vous savez, vous pétez les couilles, vous, toute la journée. Et au revoir. Deux heures après. Et ouais, vas-y. Voilà, ça y est. Très bien. Voilà. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le dernier coup en pleine nuit, sauf que je voyais rien. J'en ai croisé deux autres. Et après, j'en ai recroisé deux autres et j'étais à bout de souffle. Et du coup, rip. Bon, alors, faut que je vole. Il faut que je vole l'autre pot qui est là. Alors, est-ce que j'ai mon coupe-boulon? Putain. Quel enfer. Il y a quelqu'un qui me voit là, non? Pourquoi c'est indisponible? One thing at a time, partner. We'll get to that. C'est la nuit. Please, anyone help. Ouais, je sais, anyone help, help. Oh, quel enfer, c'est la nuit, non, c'est chiant. Il y a des choses là-dedans? Oh non, c'est un... un merdouille. Bon, bah, faut revenir à la nuitée, les petits os. C'est pas grave, j'ai... des ventes à faire. Il y avait autre chose à faire en cours de route? Explorer le problème vers le transit... du transit vers le nord. Dans la partie nord de la baie. Alors. La partie nord de la baie, mais c'est où je suis? Non. Du con, c'est là. J'y suis allé. Où est le problème? Attendez, c'est où le pampan? Non, partie nord de la baie, c'est là. Ah non, c'est un, je suis perdu. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va trouver une solution. Hein. On va trouver la solution, on va demander des noms avec de la toute gredoute. T'as d'élite. Ah oui, je suis en train de revenir là. C'est le bordel, ça. C'est pas grave, on va se retaper un tour gratuit. Alors, faut faire gaffe ici, les serpents sont violents. Et quand je vous dis violents, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment violents. Ouais, c'est une petite technique et tout et tout. Et là, je suis obligé d'aller dans la flotte parce que autrement, je peux pas remonter. Ouais, c'est ça. Mais nique. Ah, je peux vraiment pas y aller, là? Ah, oh, t'abuses, allez, arrête. Voilà. Voilà, tu vois quand tu veux, Jean-Maurice. Ok, bon. On va redescendre là-bas, donc on va recroiser nos amis... qui voulaient nous taper dessus. Évidemment. Ah, bah, il y en a un là, hein. Évidemment. Donc je vais pouvoir aller vous montrer ce que j'ai déjà refourgué à Kira. Et normalement on devrait débloquer la mette d'ici peu de temps. C'est sur cette île là qu'on la débloque.
Donc est-ce que c'est en faisant la mission pour elle? Je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point. Bah écoutez, je pense que je vais vous faire une coupure le temps d'attendre 20h et de faire nos livraisons. Donc on va faire ça. Et donc du coup, je vous dis à tout de suite demain. Iru. Bon, j'avais un message. Au fait, écoutez, juste avant de partir faire ce que j'ai besoin. Si vous me laissez tranquille. Ok, mais une minute, ça suffit. Hop. Et donc du coup, le message de Kira. Listen up, burglar. You're gonna like this one. I need you to infiltrate the prison camp for me and talk to my man inside. I think you'll like what he has to offer. I've made arrangements for you. Go whenever you're ready. Ok. Faut infiltrer le camp de travail en plus de tout ça. Je sais même pas où il est. Eh ben, il a l'air d'être là. Et donc, du coup, il y a cette histoire au noir. Voilà, le noir, c'est le noir. Ok, donc on a... À livrer, je ne sais pas où c'est. Ok, il y en a un là. Il y en a un là. Ça va nous occuper un petit peu le temps. Yes. Le temps de faire ce que... Oh putain. Je suis tombé en plein dessus, quoi. Bande de bâtards. Ils m'ont laissé tranquille direct. Oh putain, les bâtards. Il est où celui qui attend sa livraison aussi? Oh, quel enfer! Il y en a partout! Merde, serpent! Ah! Ah, ça y est, je suis dans le mal. Bon, on fait amine 7 grammes. Des PDP des frines. Je vais me sentir mal pendant un petit moment. Ah, puis ça va durer. Hein. Ah, eux, ils sont pas cool. Ah, c'est terrible, hein, sur cette île-là. C'est d'une violence. Là, il y a mon Jillers. T'aurais pu le faire quand même, hein, t'abuses. Y'a personne qui garde là pour le moment, c'est bizarre. Tu veux 4 grammes de Marie? Si, les voilà. Ok, bon. On a une première chose à faire. C'est se débarrasser de ce poison à la con. Est-ce que ça a esquinté encore mes godasses? Non, c'est pas ça que je veux. Ah ouais, mes godasses, elles sont malades. Bon, ça devra aller, mais en attendant, je suis ribou. Et puis, je crois que je peux pas faire autrement que de passer. Et puis, il y en a partout. Vous savez que vous êtes chiant? Bon, je vais être ribou quelques minutes, hein, c'est normal. Vous inquiétez pas. C'est normal. Bon, on va essayer de se re-rendre là-bas. On a le temps, hein. C'est 21h. Et après, on fera... Faut s'occuper et de cette berge là au-dessus, là. Je vais un coup d'œil dans la partie nord de la baie. Le truc, c'est qu'ils auraient pu... ils auraient pu au moins nous mettre un rond, tu vois. Parce que l'explorer... La partie nord de la baie, c'est là pour moi, la partie nord de la baie, tu vois. Ouais. Je sais pas. Bon, normalement, on va commencer à redescendre. Et puis, ça va aller, ça va aller. Pas de problème. Je me méfie de peu importe qui je croise maintenant parce que c'est un peu violent. Bon, on va passer de nuit à 21h. Et on va aller rendre service à l'autre, là, déjà. Allez, dépêche-toi, 4 minutes. Oui, command please, je veux bien, mais faut que j'attende 2 minutes. Allez. Dépêchez-vous. Faut même que j'attende 2 ou 3 minutes de plus parce que... Il est pas exact sur l'heure, le con. Oui, je suis là. Tu te fous de moi?
Oh, c'est pas vrai, sans déconner. Bro, il faut une pince coupante maintenant. Oh, je ne sais plus où j'en ai vu une. Oh, c'est une blague. T'aurais pas une passe coupante par hasard, toi? Mes couilles. Oh, c'est un truc de dingue, ça. Hein. Oh non. Puis le truc en bas, là, ils ont pas de passe coupante à vendre. Ça, c'est des vêtements encore, non? Salut Jean-Maurice. Qu'est-ce que tu vends, toi? Tout sauf ce que je recherche. T'as du méthanol. Il y a vraiment que Marcus qui a donné pinépinéphrisme. Oh, c'est chiant, vas-y, nique sa mère. Boutique exclusive. Mini-marché. Dépôt de carburant. Magasin de bricolage, peut-être là. Peut-être là, ouais. Quel enfer. Quel enfer! Allez, on court, on se raccroche à la vie, on se saoule avec le bruit. Jean-Maurice! Oui! Oh, je t'aime! Merci! Oh, merci beaucoup! Oh, jouis! Jouis presque parce que je suis pas allé si loin en fin de compte. Putain, mais les rois là, les frères Mickey là. Barrez-vous, cassez-vous. On a déjà donné et puis ils reviennent. Du balai. Allez! On va pouvoir enfin ouvrir ce bordel-là. Ouais, je sais. Voilà, visiter Vincent dans son magasin. Ouais. C'est bon, t'es content, il est content, tout le monde il est content. Une clé. Tube en métal. Putain, on n'y voit rien là-dedans. Ah, mais c'est Barry. Vincent dans son magasin. Voler les pièces détachées pour l'homme à tout faire. J'y suis. Les pièces détachées pour l'homme à tout faire. Quelle pièce détachée? Ça là? Ouais, on a foutu. C'est ça que tu veux? C'était pas ça, hein. Pièce métallique. Ouais, je sais, mais le problème c'est que. Putain, je vole, je me raccroche à la vie et je vois rien du tout, sa mère. Qu'est-ce que tu veux que je vole? Putain, c'était ça, je suis un sac. Du coup, j'ai un tas de trucs qui me font chier là-dedans. Elle fait combien la batte de baseball? 20... 19. Bon, je peux toujours mettre ça chez nous ou jeter ou on verra bien. Elle fait combien la batte de baseball? 25. Ah oui, elle pique. Non, parce que j'ai des trucs là. Enfin, j'achète un coffre pour finir. Ok, ça c'est fait. Il faut que j'aille où? Et on va voir si au magasin là il. Visiter Vincent dans son magasin. Oh putain, quel enfer. Ouais, le problème maintenant, ça va être de bouger sans se faire allumer. Mais t'as vu Vincent où t'es aussi? Où t'es papa? Où t'es? T'es où papa? Papa où t'es? Visiter Vincent dans son magasin, Tassin. Et qu'est-ce que tu vends, Vincent? Petit tonneau. Tonneau moyen, hein?
Grand tonneau. Plateau de laboratoire, autocuiseur, autoclave de laboratoire. Ah, cuve de trempage maison, centrifugeuse. Barreau de fenêtre. Cool. Petit coffre. Volet. Grand verrou de porte, bon, on s'en habitue. Grand cabinet de laboratoire. Je vais dans mon cabinet. Est-ce que j'ai appris à faire de la mette avec ça? Fabriquer un panier de feuilles de palmier, qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Enlever le tabac, joint, faire des joints, ouais. Pipe à bœuf. Fabrique à crochet. Paquet de petits bolivores. Oui, mais ça, on s'en fout. Oui, mais ça, on le sait. Moi, je veux... C'est ça que je veux. Celle d'amphétamines, mais... Et puis, on le fait comment? Putain, mais vous êtes cinglés. Non, ça va bien. Ils sont timbrés, ceux-là. Chaîne de production. Ah, mais on sait toujours pas l'affaire. Mais nique sa race. Et comment je la fais, cette merde? Ah non, mais c'est de l'amphétamine, c'est toujours pas de la meth. Putain, je saurais jamais la faire. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est encore pas là. Mais j'ai pas besoin qu'on me voit, je suis moche. Come back soon, oui, come back soon. J'ai des nouveaux produits en laboratoire. Donc du coup, ça, je devrais pouvoir y accéder. Ça, c'est quoi? Remettez le paquet à l'homme à tout faire. Ah oui, c'est vrai. Il est vrai, messire. Il faut que je descende. Ah, puis nous roule la pendue ici. Avec cette histoire de serpinosaure, là. Le serpent. Il y a des serpents, là, au milieu. Bon, faut que j'aille remettre le paquet. Non. Tu planes un moment, quoi. C'est où? Putain, je suis pas au bon endroit. Ça me saoule. Marquer la tâche, voilà. Il ne l'a pas marqué, parce que c'est un fils d'eux. Je vais être obligé d'aller me faire enculer. Bon, bref, peu importe, je vais me démerder. Ah, c'est là, c'est bon. Comment je sors de là? Ah! C'est con, ça, hein. Je suis vraiment bloqué? Ah non, mais on saute. Et on est des dingues. Je fais du vélo sans casque. Mais j'ai peur de croiser mes copains. Ils sont où? Ils sont où, les Marseillais? Barrez-vous, j'ai pas le temps, je suis en infiltration. Infiltration, je cours partout. Je me raccroche à la vie. Tiens! Cool! Tu vends quoi, Jean-Maurice? Tu vends des tonneaux aussi, toi? Ouais, tous les trucs que l'autre il avait en vrai. Étagère pour plantes. Et de l'aide ou du vie. On ne sait toujours pas le faire! Mais mon cul! Bombe artisanale, mais je m'en fous. Ok, c'est quoi ça? Rendez visite au producteur des Slaves. Oh, c'est la course. Ah oui, c'est celui-là qu'il fallait que j'aille voir en plus. Salut Jean-Maurice, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu vends? Graines de sativa. Cannabis. Que 10 grammes? Bon, tu vends pas grand-chose avec rien, en vrai. Mais ils ont toujours pas compris, c'est pas ça que je veux. C'est toujours pas ça que je veux. Je veux faire de la meth. Faire de la meth, mais... Bon, faudrait qu'on aille là. Infiltrer le camp, vous croyez qu'on a le temps, vous? Oui, on a le temps.
Comment j'infiltre le camp en plus pendant la nuit, mais... Est-ce que j'ai le temps d'aller en bateau? Non, pas du tout. Allez, on se taille. On poursuit nos efforts. Toujours avec la grosse musique. Ah, il y a les copains. Je reprends mon souffle et je tartine mes longs morts. C'est là? Oui, bonne pioche. Barre-toi, toi. Ouais, you lost, buddy, au revoir. Ça y est, je me fais courser le cul. Et j'ai bientôt plus de souffle. Parce que je suis chargé comme un gros sou. Va chier, toi. Hein. Va chier. Sale bataou! Au gros bataou! Au gros bataou! Voilà, allez, merci, au revoir, bonne année. Tête de con, donne-moi ton pognon. C'était lui ou moi, hein, je l'avais dit. Hein. Bon, sinon, j'jetterai des choses. Parce que, en vrai, j'ai des trucs qui pèsent lourd. Hein. Genre ça... Ah, je suis trop chargé, là, ce coup-là. Bon, faut que j'infiltre le camp. Oh, je me demandais ce qui arrivait. Et comment j'infiltre ça? Ah. Infiltration? Tu devrais encore travailler pour sortir de là. Ah! Putain, on va être obligé de travailler. Travailler ou galérer ou astiquer. Trouver un moyen de parler à Gonzoa. C'est toi, Gonzoa? Parlez aux gardes. Parlez à l'officier Torres. Oh putain, mais il y a même des ennemis ici. Mais j'ai plus rien du tout en vrai. Oh la merde! Se faire casser l'anus. Rencontrer le cuisinier. C'est toi, Torres? La Gonza. T'as des clopes? Bah non, en vrai. Et ta fortune, mais tu dois te dépêcher. Il ne faudra pas plus de quelques heures avant qu'il ne s'aperçoive que tu es parti. Ok, rien à foutre. Il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse là? Rencontrer le blanchisseur, le cuisinier, un moyen de sortir de la prison. Blanchisseur, le... Non, mais vous allez me foutre la paix là, vous allez pas vous y remettre, non? Le blanchisseur, le cuisinier. Et je sais pas qui. Bah, sortir de la prison. Hein? Et sortir de la prison. Mais c'est tout des baraquements, ça. Bah, yes. Toi, tu fais chier. Je pense qu'à droite, c'est pas une petite... Oh, il va me courir après, ce gros bâtard. Oh, je peux pas monter. Ah, tu vas te faire taper dessus, connard. Tiens. Voilà, très bien, merci beaucoup. Putain, mais... Ah! Non, c'est pas toi. C'est pas toi non plus, tu vends des casseroles. Putain. Tu vends des... C'est dedans, ouais. C'est toi? Nouvelle recette acquise. Qu'est-ce qu'on a acquis? Sativa. Pour faire de la marijuana. Du cannabis sativa. Ouais, ça reste du cannabis, quoi. Je vois pas ce que ça change, mais bon.
Oh, ils vont être chiants, je suis sûr qu'ils vont être chiants avec ça. Ok, c'est tout. What is it? Ah, faut que je travaille. Cool. Bon, bref. J'ai pas envie de travailler, moi. Bon. Hey, Jean-Maurice. What is it? You know how it is. Nouvelle recette acquise. Dis-moi que j'ai la mette. Je veux la mette. Non. J'ai toujours pas la mette. Mais ça commence à me casser les couilles, putain. Culé. Trouve un moyen de sortir de la prison. C'était juste pour ça? En vrai, c'est de la merde. Non, non, je travaille pas, je joue au foot. Je vais voir l'autre pour payer 75 000 et je me barre. Allez, hop, Ponsbourg. Non, j'ai pas de clope. Allez hop, au revoir. Bonne année. Évasion de la prison. Je suis évadé, là. Can I help you? Alors, je suis où? Je suis à Perpète les Andouillettes, en vrai. Y'a quoi, là? Ah, mais c'est là-bas. Non, non, mais je vais pas me faire foutre, moi. Allez hop, je m'évade. On s'évade. On s'évade. J'ai mes affaires. Oh, non. Bah c'est la loose en vrai. Et comment je fais pour récupérer mes affaires? 29 minutes, 23. Oui je sais, j'ai bien compris, mais comment je fais pour récupérer mes affaires? Oh je suis à poil tout nu, les mains dans les poches là, j'ai perdu mon cannabisme. Ça va commencer à se voir, je vais là-bas. Oh c'est chiant. J'aurais dû y aller à poil tout nu. Les mains dans les poches, allez je me casse. Merci, au revoir, bonne année. On va tout vous niquer. Bon, ça me donne pas ce que je voulais, hein. Je n'ai pas la mettre. Et donc, du coup, il y avait un truc à faire au nord de la baie, mais c'est où? Jeter un coup d'œil dans la partie nord de la baie. C'est, moi, à mon avis, c'est là-bas. Hein. C'est pas ici. Hein. Parce que ça fait même plus partie de la baie, ça. C'est la mort. Par contre, j'ai tout perdu de ce que j'avais. Ça me fait chier. Hein. J'avais 400 000 balles. Hein. Oh, puis c'est cassé, putain. C'est cassé. Hop là. Hop là, c'est cassé. On entend la musique depuis là, quand même. Hein. Mes affaires! C'est quoi un investisseur qui paiera pour construire le pont? J'en ai rien à foutre. En vrai. Bah, puis mes autres missions. Attends, c'est loose? J'ai plus d'autres missions pour le moment? La merde! Trouver le vendeur de voiture. Une voiture bon marché. Ok. Demandez aux habitants qui pourraient être prêts à payer pour la reconstruction du pont. Utilisez des étiquettes de dialogue. Oh, 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 oh. Voilà. On s'est fat. Ah, fils de pute. Mais je suis même cul nu, non? Putain, je suis cul nu, c'est la merde! Oh, c'est chiant! Puis je me suis fait mordu! Ok, faut que je parle aux habitants. Oui, ils sont perdus. Bon, bah, faut que je rachète des trucs aussi, faut que j'aille chercher mes sous. Faut que je fasse plein de choses. Mais là, donc, du coup, à part le pont, je peux rien faire d'autre. En vrai, je suis coincé. Je vais demander à Akira. Parce que cette histoire... Ah, puis le vendeur de voiture. J'ai une question. C'est au nord de la baie qu'il disait. Hein. De toute façon, on va pas tarder de s'arrêter là. Pour être prêt à payer, astuce, utiliser une étiquette de dialogue, ça je m'en fous.
On va trouver, toi. Je vais commencer par Kira del Pococheni. Et je vais regarder sur, sur Google pour trouver la fabrication de Met parce que. Enfin, comme on a débloqué, je vous montrerai parce que autrement ça va prendre 1000 ans encore. Je sais pas ce qu'il faut faire, je me rappelle plus. Hey, you lost Bali? Non, mais tu fais chier, toi! Kira! Parlons enfin, c'est quelque chose sur. Ah! Bogdan. Maurice, Louisa, okay. Louisa, enfin, peut-être que je change d'habit à un moment donné. Louisa, elle vend de la bœuf, donc c'est l'autre là-bas hein, sur la plage là. Je suis encore ribou, c'est chiant. Il y a un feu d'artifice là-bas. Là. Oh non, c'est pas le moment, foutez-moi la paix, sans déconner. J'ai rien, je suis à poil, je suis cul nu. Je vais prendre un coup dans la gueule d'ici peu, vous allez voir comment que ça va faire. Ferme la porte, voilà, merci. Louisa! Sur la route principale vers la péninsule Paradis. Ok, très bien. Ah bah c'est lui qu'il faut convaincre. Ah mais il me l'indique pas. Si, il est là. À Bogdanov. Hein? Hein? On s'en fout du moustique. Peu importe. Peu importe. Elle était où la route pour remonter là-haut? Je me barre, j'en ai rien à foutre. Non mais, elle va me péter mon écran. Hein. C'est toi la bitch, fils de pute. Je me barre, je me barre, je me barre. Au revoir, au revoir, au revoir. Sois avec Gilly. Dave, Daniel. Barre-toi, Daniel. Il m'a traité de bitch. Puis il me suit toujours, hein. Non mais, tu m'aimes ou quoi? Il m'en fout, je vais voir Bogdanov. Ah, merci. Il y en avait des autres, là, encore. Hein. Il se peut que je me refasse courir dessus. Bon, Bogdanov. Il faut refaire le pont et il faut me vendre une auto. Mais j'ai pas de... j'ai pas de sous. Mais c'est toi, Bogdanov. Mais je t'ai vu tout à l'heure. Ok, c'est fait. Putain, mais c'est moi qui vais payer le pont. Puis la voiture. What's your question? Let's talk the details. Peut-être, j'ai besoin de plus de détails. What is it? Never heard of. What's your question? Nah. What is it? Sure thing. Need anything? See you around. Bon, ça c'est fait. Alors, la voiture, on sait pas. Hein. Transmettez la nouvelle Akira, trouver le vendeur de voiture. Donc on sait toujours pas. Mais ma voiture, là. What's your question? On n'en sait rien.
Il a dit peut-être morsure de serpent, ça on sait, on a l'habitude maintenant. Ok. Faut retourner vers Kira. Putain, on fait que des voyages quoi. On fait que des voyages. El Kira de Pokocheni. Bon, on va dire ça à Kira. Yes. On va dire ça à Kira et on arrête là pour aujourd'hui. Par contre, j'ai pas de nouvelle mission principale, donc c'est les. Et je ne sais toujours pas comment on fait de la mettre. Donc ça aussi, c'est les. C'est même très laid. Ils sont chiants. Hein. C'est le groupe Eto. Et par contre, mon histoire d'évasion de prison, j'ai encore 20 minutes où je suis tranquille, mais je vais me barrer de cette île surtout. Et puis après, il faut que je me. Faut que je rachète des habits. Faut tout que je rachète. Faut récupérer du pognon. Je passe un pataquès du diable. Hein. Allez ma petite Kira, viens ici. Mais il faut combien de thunes? Combien? 1 million, combien? 1 million! Non mais elle est cinglée celle-là, non? Ça va bien, oui. Sans mal. C'est une mission principale? Oh ouais, putain. L'hospitalité slave. Ah oui, non mais oui. Moi bon, je ne sais toujours pas où on va pour ce vendeur de bagnole quand même. J'ai pas de tête de mort qui s'affiche nulle part, rien du tout, mes couilles. Rien. Irr. Ok, bah falloir en vendre du bordel pour avoir le pognon, hein. C'est rigolo ça. Ok, et bah écoutez, on va stopper là pour aujourd'hui, messieurs dames. Et puis j'ai même plus de lampe. Si j'ai ma lampe, c'est tout ce qui me reste. Hein. Et puis du coup, on poursuivra ça très bientôt. Enfin très bientôt. Faut que je récupère du pognon. Et je vous dis, je vais regarder si je peux débloquer cette mette. Et si j'y arrive, je vous expliquerai comment le prochain coup. Mais là, je vais surtout foutre le camp de cette île à la con. Il faudra que je retrouve des vêtements et tout. Oh putain, ça va être chiant, hein. Et ben voilà, on fait comme ça. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la soirée. Je vous dis à la prochaine, des bisous. Ciao.